Good morning, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Vefani, ainsi que le Rufuat Léa Bat Elisheva, Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maserhet Regia, Perek Aleph Mishnah Dalet. Israël, Yossi Nedechovatan Ben Nedarim, Onedavot, Vemaaser Behema, Veakohanim, Bachataot, Uva Hashamot, Uva Bechor, Uva Chazevashok, Avalo Baofot, Velo Bamenach. Bon, on commence à avancer dans la Sechet Chagiga. On a découvert des notions, on va refaire un petit peu d'ordre. D'abord, le mot Chagiga, la fête, ça exprime en fait le Korban Chagiga. C'est quoi le Korban Chagiga? Alors on explique. Pendant les trois fêtes, on a le devoir de monter à Yerushalayim. La Torah nous dit, quand tu monteras à Yerushalayim, tu ne viendras pas les mains vides. Tu dois porter Velo Yera'u Fanai Rekam. Vous ne verrez pas ma face avec les mains vides. Tu apportes un cadeau. T'apportes un cadeau, donc tu apportes une Ola à Hachem, parce que la Ola, c'est le vrai cadeau à Hachem, à la mesure où elle est entièrement brûlée sur le misbéach. Une Ola, Ola Kula Hachem. C'est une sorte de korban qu'on fait au baptême. Plusieurs familles de korbanot, si vous vous rappelez de Seder Kochim, plusieurs familles de korbanot. La Ola, c'est celle qu'on brûle entièrement, avec rien qui est consommé, ni par les Kohanim, ni par les propriétaires. Ça, c'est une Ola Tria. À part ça, la Torah nous dit, quand tu viens, aussi, Vachagotem Oto Chagla Hachem. Tu viens et après, bon, tu m'apportes un cadeau, mais aussi toi aussi, tu te réjouis avec moi. Comment tu te réjouis avec moi? Un juif, quand il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, on fait une seouda, on fait un beau repas. Un beau repas, ça veut dire quoi? Apporter un korban shlamim. Dans ce cas-là, ça va être les shalmei chagiga. Shlamim, un korban shlamim, c'est une famille de korbanot aussi, que cette fois-ci, elle s'appelle shlamim parce qu'elle fait le shalom entre tout le monde. Il y a une part, les graisses qui montent sur le misbéach. Une part qui est consommée par les Kohanim, c'est le Chazevashok, et une part qui est consommée par le propriétaire. La part essentielle qui est consommée par le propriétaire, il invite à sa table de toutes sortes de personnes qui viennent l'accompagner. Et ça, donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Korban Shlamim. Ça s'appelle le Shalmei Chagiga. Et c'est une obligation. Lorsque tu viens au Shlamim, tu dois apporter la Reiya, ou la Treiya, et les Shlamim Shalmei Chagiga. C'est ce qu'on a déjà commencé à voir maintenant, quelle quantité il faut apporter. On aura une prochaine Mishnah qui va nous parler longuement de ça. À part ça, tu as Yerushalayim. Bon, t'as accompli ton devoir d'apporter ton Shalmei Chagiga. Mais tu veux rester ici toute la semaine. Toute la semaine, qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas continuer à te réjouir. Mais sans apporter cette fois-ci des Shalmei Chagiga. Tu vas apporter ce qu'on appelle des Shalmei Simcha. Des Shlamim, mais de Simcha. Juste parce qu'il nous a trouvé juste se réjouir. T'as un devoir d'apporter un korban, de te réjouir en l'honneur de la fête, ça c'est Shalmei Chagiga. Mais à part ça, tous les jours de la fête aussi, t'as aussi un devoir de te réjouir. T'as une mitzvah de te réjouir. Mais là, c'est moins strict. Ça veut dire qu'en fait, la conséquence, elle va être que tu vas pouvoir apporter ces Shalmei Simcha. C'est plus la peine de dépenser de l'argent, de ton argent ton argent personnel pour le faire. Si tu as n'importe quelle occasion d'apporter un korban, ça suffit parce que tu vas l'apporter et puis tu vas le consommer en guise de korban parce que tu as un devoir, même si tu as des nedarim et des nedavot. Ok? Alors maintenant, la Mishnah m'enseigne comme ça. On va parler cette fois-ci dans notre Mishnah des Shalmei Simcha. Les shlamim, que juste en guise de réjouissance, mais pas par obligation de venir à Yerushalayim se réjouir. Tu l'as déjà fait ça depuis hier. On apprendra encore plus de détails. Shalmei Chagiga, tu le fais juste le premier jour de fête quand tu arrives. Tu rentres la première fois au Beit HaMikdash, tu fais tes Shalmei Chagiga. Le reste des jours de fête, il y en a même dans la Gemara qui interdisent d'apporter des Shalmei Chagiga. Que tu pourras apporter juste des Shalmei Simcha parce qu'on a un problème de Baal Tosif. Ouais. Donc la Mishnah m'enseigne. Israël Yotzin et de Chovatan Benedarim, on est par rapport au Shalmei Simcha. De se réjouir en mangeant de la viande, les Bnei Israël, à la différence des Kohanim, comme ce qu'on va voir après, s'acquittent avec n'importe quel korban qu'ils doivent apporter de toute façon et qui sera consommé par eux, comme les Nedarim et les Nedavot, les vœux et les dons, ou Bemaaser Behema aussi, le Maaser Behema, quand on a des nouveau-nés, alors on prélève le dixième des nouveau-nés de la saison, et on l'apporte en Maaser Behema, et après ça on consomme entièrement par les propriétaires. Et les Kohanim, eux, ils s'acquittent de cette mitzvah, Bechataot ou Bechamot, ou Bechor ou Bechazevashok. Ils s'acquittent même par le devoir que lorsqu'il y a des sortes de korbanot parmi les familles de korbanot, je vais les Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim, dans les Kodesh Kodashim, il y a la Ola, et Khatat Vehasham. Khatat Vehasham, la viande est consommée par les Kohanim, on offre les graisses sur le Mizbeach, tandis que la viande est consommée que par les Kohanim, pas par le propriétaire. Les Kohanim accomplissent la mitzvah de manger de la viande en guise de Yom Tov, en mangeant même des chataot et des hachamot que les Bnei Israël ont apporté. Ou va Bechor, notre but c'est que tu manges de la viande kadosh, en deux mots. Donc, par n'importe quel moyen.
c'est pas la peine ni de dépenser ton argent personnel, ni même d'apporter un korban toi-même par rapport à quelqu'un d'autre qui le fait. Si un Israël qui apporte un korban khatat ou hacham parce qu'il a fait une avera, eh ben toi tu vas manger sa viande, c'est bon, tu t'acquittes de la misa de Hacham et Simcha. Ou va Bechor aussi avec le Bechor. Le Bechor, c'est le premier-né qui va naître de l'ouverture de la matrice de tes animaux. Eh bien tu dois le donner au Kohen, et ce sera le Bechor, il sera consommé par les Kohanim. Mais aussi, Bechaz et Vachok, même aussi avec la part qu'ils reçoivent de n'importe quel Shlamim, de n'importe quel Ben Israël, qu'ils doivent leur laisser une part pour le Kohanim. Aussi, Bechaz et Vachok, ils s'acquittent avec sa maison. Par contre, à Volo Ba'ofot, Volo Ba'menachot, on ne s'acquitte pas avec de la volaille ou avec les Menachot, c'est-à-dire. C'est quoi la volaille? En fait, c'est en fait le korban khatat à off. Dans certaines circonstances, on peut aussi apporter un korban khatat en apportant un pigeon ou une tourterelle. Désolé, à chaque fois que je touche à ce sujet, j'oublie les noms. Et mon père qui va me dire non, il va dire tourterelle ou tourtereau, mais c'est pas grave. Et en tout cas, velo baofot, velo ba menachot, et ni non plus avec les menachot, avec les oblations. Parce que la Torah elle m'a dit que tu dois te réjouir, on se réjouit. En simcha ela bebasar, et bebasar c'est bebasar behema. D'accord? C'est ici qu'il rapporte le Barthé de Nora, il nous dit Yatsufot menachot shen chagiga ba'amen. Ah, c'est pas qu'on peut pas se réjouir en mangeant de la viande de volaille, c'est pas exact. C'est que la Torah nous a dit que la même chose que je t'ai demandé, oui, ça revient en même. La même chose que je t'ai demandé d'apporter pour le korban chagiga, avec les mêmes espèces, tu pourras apporter maintenant pour les shalmei simcha. Or, pour le korban chagiga, alors il fallait apporter spécifiquement de la viande, parce que c'est la viande qui réjouit vraiment. D'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha kol tov. Salam.